Hello tout le monde, on est à Port-en-Bessin pendant 3 jours pour un événement extraordinaire, la 15e édition de la fête de la coquille. Et pendant ces 3 jours, on va en apprendre un petit peu plus sur tous les métiers de la mer, le marin pêcheur et la coquille Saint-Jacques. Qu'est-ce que c'est que ça, la tangoule? Du riz, de la cannelle, okay. Un peu de sucre, okay. Et puis du lait de vache. Du lait de vache. Voilà, impeccable, du lait entier de vache. Et vous mettez ça à cuire 5-6 heures au four. Ok. Et c'est extra. J'aime bien. Du coup, vous faites quoi là exactement? J'enlève le fil pour le mettre au propre. La fête de la coquille, c'est maintenant fini. Alors on a profité de ce week-end à Port-en-Bessin pour aller découvrir les alentours. On est maintenant à Bayeux. C'est une petite ville de 14 000 habitants et Bayeux, c'est très connu pour 4 raisons notamment. La première, c'est la tapisserie de Bayeux. Donc c'est une œuvre extraordinaire. C'est un tissage de plus de 70 mètres de long qui est assez ouf. La deuxième raison, c'est qu'il y a la plus petite maison habitée qui est ici, dans cette ville. La troisième raison, c'est la cathédrale qui est assez hallucinante, elle est magnifique. Et la quatrième raison, c'est que Bayeux, en temps de guerre, au moment de la Seconde Guerre mondiale et la libération de la Normandie, a absolument pas été touché. Ça n'a pas été bombardé, alors qu'il faut savoir qu'ici, aux alentours, ça a été un sacré carnage. Mais Bayeux restait intact. Et c'était impensable de repartir du Calvados sans passer par un endroit qui a marqué l'histoire de notre pays à jamais. Bon, et on a profité de ce week-end à Port-en-Bessin pour venir découvrir la plage du débarquement, c'est Omaha Beach. Yes, et c'est assez ouf de se dire qu'il y a 75 ans ici c'était la guerre et qu'il y a plein de personnes qui se sont sacrifiées pour libérer la France. Aujourd'hui c'est calme, il n'y a plus rien, c'est bizarre d'imaginer ça quoi, on n'arrive pas trop à s'en rendre compte.